amor soñador. Tal vez un día estemos juntos, se acabe el dolor, aunque caiga deprisa en un mundo al revés. De repente y algún día nos volveremos a ver. No sé si estás conmigo o si eres mi enemigo. Yo solo sé, solo sé. Ricardo, marions-nous, ne perdons pas de temps. Véronica, je... Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'aimes pas? Ce n'est pas ça, non. Alors c'est quoi? C'est que je sors juste d'un divorce. Et alors, c'est quoi le rapport? Pour moi, ça veut dire beaucoup de choses. Tu aimes toujours Marina? Non. Non, je ne l'aime plus. La seule chose que je te demande, c'est de ne pas me mentir. Ce n'est pas le cas, non. Le tribunal vient tout juste de prononcer mon divorce. Comment veux-tu que je pense à me remarier aussi vite? Et j'ai encore le sentiment que c'est une excuse. Non, ce n'est pas une excuse, non. C'est la vérité. Avec tout ce qui m'arrive en ce moment, ma fille et puis mon divorce, je ne crois pas que ce soit vraiment le moment de penser à une nouvelle relation. C'est bon, excuse-moi. Excuse-moi, je comprends parfaitement. C'est juste que je suis assez impulsive. Parce que je t'aime. Parce que je veux être tout le temps avec toi. Parce que je veux te faire l'amour. Et te donner tout ce que ne t'a pas donné Marina. Et crois-moi, elle ne signifie plus rien. Non. Non. Et si tu veux bien, ne parlons plus de ça. D'accord? Je dois y aller. Tu vas? Écoute, je rentre chez moi. J'ai envie de me changer, de prendre un bain pour me relaxer un peu. Je vais me reposer. On se revoit plus tard, d'accord? Un jour ou l'autre, tu seras à moi, Ricardo. Tu m'appartiendras entièrement. Bonsoir, petite maman. Alors, mon amour, comment va Patty? Oh, mon chéri, pourquoi tu fais cette tête? Et toi, ça va? Qu'est-ce que tu as? Alors, raconte. J'aime pas la voir comme ça, maman. Elle était maigre et fatiguée. Il faut absolument que tu gardes la foi. Si c'était juste une question de foi, Patty serait déjà guérie. Oh, tu ne vas pas devenir athée, j'espère. Oh, petite maman, j'ai pas le cœur à discuter de ça, mais je peux pas dire que Dieu, en ce moment, me soit d'une grande aide. Ne blasphème donc pas, mon enfant. Non, c'est juste que je suis vraiment remonté. Je me sens... Je sais pas, je me sens furieux, en colère contre moi, contre tout le monde, contre la vie. Oh, ne pense pas comme ça, mon amour. Tu ne peux pas parler ainsi de la vie. Tu es encore jeune et tu as à découvrir encore tant de choses. Ça n'a rien à voir. Je m'en vais. Non, mon fils, tu viens à peine de rentrer. Mange quelque chose au moins avant de partir, non? Non, j'ai des gens à voir. Je sors. Ah, sois prudent, d'accord? Et j'espère que ces gens ne sont ni Julio, ni Tuercas. C'est vraiment dommage, Julio. On vient de passer à côté du fric que le milliardaire nous devait. Tranquille, Tuercas, ne baisse pas les bras si rapidement. Tôt ou tard, nous serons blindés de thunes. Et tout ça grâce à Marina et tous ses petits secrets si précieux. Regarde qui vient d'arriver. Oh, il vient par ici. Bien qu'il soit encore très tôt, je savais que je vous trouverais ici.
Sinon, où ? Cet endroit vous correspond si bien. Vous cadrez parfaitement à ce décor sinistre. Ce lieu ressemble à un refuge de vermine. Mon père, vous devriez faire attention. C'est insultant de nous traiter de vermine. Dieu vous punira. Vous n'êtes que des fainéants. Vous devriez travailler plutôt, être productif pour votre pays qui a besoin de sa jeunesse. Mais au lieu de ça, vous passez vos journées à boire ici. Allez, mon père, pourquoi vous n'arrêtez pas votre sermon pour venir ici avec nous boire une petite bière ? Je sais que vous cherchez à entraîner Chui dans l'une de vos escroqueries. Je suis venu pour vous avertir de ne pas vous amuser à dépraver un gentil garçon comme lui. Ne touchez pas au fils de Lupe. Fichez-lui la paix. N'entraînez ni lui ni personne dans vos manigances. Gardez bien vos distances, ou sinon je vous montrerai de quoi je suis vraiment capable. Comment ça va, Pastora ? Bien, et vous-même, monsieur ? Bien, merci. Tu pourrais m'amener un café, s'il te plaît ? Tout de suite. Bonjour. Tu vas à l'hôpital ? Oui, j'y retourne. Je suis juste rentrée pour me reposer. J'étais fatiguée. Pourtant, tu m'as l'air plutôt en forme. Ne commence pas avec ton ironie, Ricardo. Ah non, c'est vrai. Tu m'as l'air d'aller bien. Et tu attends ton chauffeur ? Je parle de Federico. C'est vrai, il est si serviable. Il t'emmène, te ramène. Je ne sais pas si tu le paies ou si tu lui offres autre chose. Ricardo, je t'en prie, je ne veux pas me disputer. Est-ce que tu es avec Federico ? Je veux que tu me dises la vérité maintenant. J'imagine que votre relation a commencé il y a bien longtemps, dès que j'ai eu le dos tourné. Ricardo, nous n'avons jamais eu et nous n'avons toujours pas de relation. Federico est un ami, c'est tout. Je te demande la vérité. Je te le jure sur mes enfants. Ne sois pas cynique. Plus facile pour toi de te réfugier dans le mensonge que d'affronter la réalité. Qu'est-ce que tu cherches ? Que je cours dans les bras de Federico ? C'est ça que tu veux ? Bien sûr. Tu pourrais soulager ta conscience comme ça, non ? Ça pourrait justifier tes rapports avec Veronica ? C'est bien ce que tu cherches ? Docteur, un instant, Patty. Patty, je prends ta tension. Ne parle pas. Je change la poche de sérum. La température est normale, mais la tension est plutôt basse. Je vois. Remplissez ça et amenez-lui ses médicaments, s'il vous plaît. Très bien. Je reviens d'ici un quart d'heure pour t'aider à faire ta toilette. Ça va durer combien de temps, docteur ? Ne te plains pas trop, Patty. Tu es la patiente la plus dorlotée de tout l'étage. Si vous étiez à ma place, je me demande si vous diriez la même chose. En tout cas, tu as l'air d'aller mieux. Comment je vais, docteur ? Tu vas bien. Ne me mentez pas. Je me sens mal. Je sais que je vais pas bien. Patty, tu exagères. Je sais qu'il me reste peu de temps. Je le sais parce que j'ai beaucoup perdu. Parce que j'ai plus de force. Et surtout parce que je vois la souffrance des gens. Ne dis pas ça, Patty. Il y a une légère amélioration. Vraiment ? On verra combien de temps ça dure, docteur. 2 heures ? Ou 2 mois ? Qu'est-ce que vous voulez dire par légère ? Sois confiante, Patty. Crois en moi. Je fais tout mon possible pour te sauver. Pour te sauver la vie. Mais tu dois m'aider avec ton courage, ton optimisme. Tu dois m'aider avec ta volonté de vivre. Ricardo, j'aimerais aller à l'hôpital d'ici 5 minutes. Tu m'y emmènes ? Oui, bien sûr, quand tu voudras. Mais tu devrais te reposer. Ce n'est pas bon pour toi de courir à droite et à gauche. Je vais bien, mon fils. La seule chose que je veuille, c'est être avec Patty et passer le plus de temps possible avec elle. Moi aussi. Moi aussi. Merci. Salut, Freddy. Salut, Ricardo. Madame Albertin, ça va ? Joli costume. Merci. En ce qui me concerne, ça ne va pas très bien. Et toi, comment tu vas ? Ça va, ça va. Vous voulez boire quelque chose ? Non, pour ma part, ça ira. Merci. Excusez-moi. Merci, Pastora. Viens, assieds-toi, oui, je t'en prie. Merci. Ricardo,
Je suis venu te voir parce que j'avais besoin de te parler concernant une affaire qui te concerne. Je t'écoute. Federico m'a contacté pour que je gère tous les papiers concernant l'adoption de Chewie. Et en quoi est-ce que ça me concerne? Écoute, Federico souhaite adopter Chewie légalement. Si son dossier est accepté, il deviendra le père de Chewie. Et ce que fait Federico de sa vie, c'est son problème. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse à moi? Il s'agit de ton fils, Ricardo. Tu ne vas tout de même pas accepter que cet homme te vole ton enfant maintenant. Maman, Chewie n'est pas mon fils. Oh, je t'en supplie, fais un effort, essaie de comprendre, je t'en prie, c'est ton enfant. Écoute, ce que font Federico et Marina ne me concerne plus. C'est leur problème. Et Chewie n'est pas mon fils. C'est très important que tu prennes des notes. Premièrement, nous devons appeler l'exportateur en Chine. Il faut revenir au tarif de départ. Ce sont les meilleurs prix que nous ayons jamais eus. Voilà, c'est ça. Ils doivent honorer leur partie du... Oui, ils ont augmenté leur tarif, j'ai entendu ça, mais nous sommes prêts à négocier. Chaque container doit être vérifié, c'est important. Federico? Exceptionnellement... Pardon, je te rappelle, je... Oui, bien entendu. À tout à l'heure. Excuse-moi. Salut Marina, comment tu vas? Bonjour. Non, il n'y a aucun problème. Je suis là pour te parler d'une chose importante qui vient d'arriver. Bien sûr, je t'écoute. Vas-y, dis. Ricardo m'accuse d'avoir eu avec toi une aventure extra-conjugale. Il croit que je le trompe avec toi depuis longtemps. Enfin, je t'épargne tous les autres détails parce que ça n'a aucun intérêt. Mais Ricardo est devenu fou ou quoi? Ce n'est pas possible, c'est complètement absurde. Pour commencer, il n'a aucune raison de dire ça. Et en plus, il n'a aucune preuve qui justifie ses accusations. C'est que, Federico, sincèrement, je crois que j'ai fait une erreur en te racontant autant de choses. Non, non, Marina. Le problème n'est pas de savoir si tu as bien fait de te confier à moi. Tu avais besoin de quelqu'un à qui parler, et il se trouve que j'ai été cette personne. Et quand il s'agit d'amitié ou d'amour, ce genre de questions ne se pose pas. Je ne crois pas que c'était la bonne chose à faire. Je suis persuadé du contraire. Pour moi, c'était merveilleux d'apprendre à te connaître ainsi. Et c'était un privilège de pouvoir t'accompagner dans ces moments douloureux. Je me rends juste compte que c'est à cause de moi si tout s'est effondré, Federico. J'aurais dû surmonter mes problèmes seul et essayer d'y faire face sans l'aide de quelqu'un. Et maintenant que j'ai menti une première fois, je n'arrive pas à m'en sortir. Et puis, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'une sorte de force m'éloigne de Ricardo. Et je n'arrive pas à lutter. Il y a sûrement une raison à ça. J'ai essayé de me rapprocher de lui en évitant d'éprouver de la haine. Ça fait si longtemps maintenant que nos rapports ne sont plus rien que du mépris. Et malgré tout, je ne récolte que des insultes violentes. Je ne supporte plus ces humiliations, Federico. Je crois que... qu'il me déteste vraiment. Et toi, Marina? Est-ce que tu as vu Chewie dehors? Ça fait longtemps qu'il est parti. Oui, je crois qu'il est allé se reposer chez lui. Mais je suis certain qu'il va revenir. À quoi penses-tu? Qu'est-ce qui te fait autant sourire? Tu sais que je l'aime beaucoup, pas vrai? Ouais, j'ai remarqué. Je sais que c'est ridicule, mais... à chaque fois que je le vois, je me sens mieux. Plus forte. Importante. Et la nuit, je pense à lui. Je rêve que... qu'on est tous les deux. Que nous avons un endroit à nous. Que beaucoup d'années ont passé et que nous sommes mariés. Tout est beau et bleu azur. Bleu azur? Oui. Quand
quand tu penses en bleu, tu fais des rêves bleu-azur. Ils sont beaux et calmes. Ma chérie, comment ça va? Elle va bien. Calme-toi. Bien, je vous laisse seules toutes les deux. Comment ça va, ma chérie? Un peu mieux. Oui? Pourquoi tu n'es pas venue avant? Parce que je n'ai pas été mise au courant, chérie. On ne m'a même pas appelée. C'est comme si... comme s'ils me mettaient à l'écart du tout. Ils veulent m'éloigner de toi, Patty. Ils n'ont vraiment pas de cœur, ma chérie, tu ne crois pas? Je ne sais pas ce qu'ils ont l'intention de faire pour toi, mais... j'aimerais te proposer quelque chose. Je veux t'emmener aux États-Unis. Là-bas, ils pourront te soigner comme il faut pour te sauver la vie. Pourquoi tu t'obstines à refuser la vérité, Ricardo? Écoute-moi, s'il te plaît, écoute-moi. Maman, je n'ai pas envie d'en parler. Oublie, tu veux? Vraiment, tu te comportes comme un enfant capricieux. Mais laisse-moi te rappeler que maintenant, tu es adulte. Ah, merci, tu admets toi-même que je suis adulte. J'ai donc mes propres opinions. Respecte-les, merci. C'est ton fils, Ricardo. Et tu vas le perdre parce que tu es entêté et que tu ne veux pas l'admettre. Parce que ta fierté est énorme et qu'elle t'empêche de réfléchir. Ton orgueil t'atrophie le cerveau. Totalement. Et c'est tout ce que tu étais venu me dire, Freddy? Oui, c'est tout. Et très bien, dans ce cas, je vous laisse. J'ai pas mal de choses à faire. Fais comme chez toi. Excusez-moi. S'il te plaît, Ricardo. Quelle amabilité, je te jure. Oh, pour l'amour de Dieu, Freddy, fais quelque chose. Tu dois empêcher cette procédure, il faut l'arrêter. Je ne peux pas. Comment ça, tu ne peux pas? Je croyais que tu étais un ami de Ricardo et un proche de la famille. Tu sais que c'est important. Je ne dis pas le contraire. C'est simplement que je n'ai pas la faculté de lutter contre. Ricardo est le seul qui puisse s'opposer à cette adoption. Mais il ne veut rien entendre. C'est parce qu'il va mal. Au fond, nous devons essayer de comprendre qu'en ce moment, sa situation est très difficile. Mais tu dois faire quelque chose. Dans cette profession, la compassion n'a pas sa place. Il doit choisir entre défendre ses droits ou sinon les perdre. Et son choix m'a semblé très clair. Oui, mais avant d'être son avocat, tu es un grand ami de mon fils, non? En tout cas, c'est ce que je croyais jusqu'à maintenant. Oui ou non? Roberta. Nous ne parlons pas d'amitié, mais de loi. Nous parlons ici d'une injustice. Mon petit-fils se doit de porter le nom de famille qui lui correspond à Larson Morales. C'est mon sang, laisse-moi finir, ne dis rien. C'est toujours la même histoire. Comme d'habitude, je vais résoudre le problème encore toute seule. Et si tu ne veux pas m'aider, tant pis pour moi. Si ce Federico veut essayer de voler mon petit-fils, il devra déjà me passer sur le corps parce que je ne le laisserai pas faire. Lucia! Lucia, quelle bonne surprise! Oh, comment tu vas, Laura? Je vais... bien. Ça va, oui, mais parle-moi plutôt de toi. Hein? Comment ça va? Tu as l'air d'aller bien? Oui, je suis contente que tu me vois comme ça, parce que j'aimerais te prouver que j'ai toute ma tête, pour que tu puisses enfin croire ce que j'ai à te dire. Oh, Lucia, tu souhaites encore me parler de Véronica? Ah, tu me crois encore folle, n'est-ce pas? Non. Non, non, Lucia, ce n'est pas ça, c'est que... Le jeu de Véronica est parfait, Laura. Elle est totalement machiavélique et je suis la seule qui puisse la démasquer et la faire apparaître au grand jour. Mais au final, personne ne veut m'écouter. C'est une bonne chose pour elle. Tout le monde, notamment toi, Laura. Tout le monde croit en elle et doute de ce que je dis. Oh, fais-moi confiance, tout ce que je te dis est la stricte vérité. Elle prétend être toi en portant des vêtements qu'elle a volés ici. Elle a été à la maternité voler un papier qui démontre que ce jeune homme que tout le monde pense être l'amant de Marina est en fait son enfant. Elle a fait ça pour semer le doute chez Ricardo. Oh Laura, crois-moi, Véronica a volé ce document et maintenant elle veut me tuer pour que je ne dise rien. Oh. Je ne sais même pas comment on en est arrivé là. Mais pourquoi nous nous détruisons de cette manière, Federico? Marina, divorce donc de Ricardo. Éloigne-toi de lui. Je ne peux pas laisser ma fille toute seule. Je ne peux pas me séparer d'elle une minute. Marina, écoute. Je sais que tu cesseras de souffrir un jour. Tout a une solution. Tout.
Laisse-moi une seconde pour aller me rafraîchir. Bien sûr. Vas-y. Excuse-moi, je reviens tout de suite. Salut, Federico. Véronica, que tu es radieuse. Le succès embellit, mon amour. Tu vas me faire partager ton bonheur? À ton avis? Bien sûr que oui. Parce que je sais que tu vas être aussi heureux que je le suis. Ricardo m'a demandé en mariage. Mes félicitations. Waouh, je te félicite. C'est la seule chose que je peux te dire. Je sais que c'est la seule chose que tu puisses dire, et ça me va. Je suis tellement heureuse, Federico. Finalement, je vais pouvoir enfin devenir Madame Alarcon. Je vais t'emmener aux États-Unis, ma chérie. Là-bas, on va pouvoir te sauver la vie. J'ai tant espéré que ce jour arrive, Federico. Je vais enfin être la seule et unique véritable femme de Ricardo Alarcón Morales. Tu n'as rien à dire, Federico? Je te souhaite que ton mariage t'apporte du bonheur. C'est vraiment beau et profond. Mais bon, je te remercie pour tous tes souhaits de bonheur. Allez, j'y vais. Je dois aller à l'hôpital pour retrouver mon futur mari. Je vois. J'aimerais que tu te trouves les vêtements les plus classes qui soient. Parce que mon mariage sera spectaculaire. Salut. Salut. Ciao. Bye. C'est marrant tout ce qu'on peut découvrir, pas vrai? Qu'est-ce que tu sous-entends? Ton amie Véronica est une hypocrite, Federico. Je savais bien qu'elle s'était rapprochée de moi pour me prendre mon époux. Tu as tout entendu? Tu sais donc que Ricardo a demandé la main de Véronica? Oui, et je me moque bien des décisions de Ricardo. Tout ce que je vois, c'est la déchéance d'un homme qui a touché le fond. Bon, je vais à l'hôpital. Marina, je ne crois pas qu'il faille faire un scandale de toute cette histoire. Le mieux, c'est de laisser les choses suivre leur cours. Écoute, Federico, je vais aller voir ma fille, pas Ricardo. Très bien. J'en ai plus rien à faire de lui. D'accord. Salut. Au revoir. Laura, tu ne te rends pas compte de l'effort que je fais pour ne pas m'énerver, pour rester calme dans l'espoir que tu me crois. Mais enfin, Lucia, arrête. Je te le jure. Véronica s'est habillée en religieuse pour aller voler ce fameux document à la maternité qui est l'unique preuve que ce jeune homme n'est pas l'amant de Marina, mais son fils. Si tout ce que tu me dis est bien vrai, ça veut dire que Véronica... C'est une sorcière. Crois-moi, Véronica est le mal. En ton nom, elle cumule les atrocités. Oh, Lucia, si tu ne me crois pas... Bien sûr que je te crois, Lucia. Qu'est-ce que c'est? Va parler à Federico Santibanez, c'est l'adresse de son lieu de travail. C'est chez lui que je vis actuellement. Et pourquoi ça? Je te l'ai déjà dit, Véronica veut me tuer. Juste au cas où je la dénoncerai. Au moins, en habitant chez Federico, en ce moment, je suis en sécurité. Mais Marina et Ricardo sont à la merci des manipulations de Véronica. Non, écoute, je te promets d'aller voir Federico Santibanez. Je vais lui parler et... Tu es la seule personne qui puisse l'arrêter. Je te promets que j'irai le voir. Mais je vois bien que tu ne le crois toujours pas. Non, c'est faux, ce n'est pas ça. Mais c'est pas grave, je comprends. Mais va le voir à son bureau et si possible aujourd'hui, dame. Et il pourra te dire que tout ce que je te raconte, c'est la vérité. Je te crois et je te promets que j'irai voir ce Federico. D'accord, bon, je retourne chez Federico. Et rends-moi cette faveur, va le voir dès que tu peux. Oui, je te l'ai promis. Viens, je te raccompagne à la porte. On va attendre un taxi. Essaie de ne pas trop t'inquiéter. Oh, Laura, j'aimerais tellement que tu me crois. Tout ce que je t'ai dit, c'est la vérité. Ce n'est pas mon imagination. Je sais que tout ce que tu m'as dit est vrai. J'irai parler à Véronica pour qu'elle mette fin à toute cette barbarie dont tu m'as parlé. Toi, tu dois te calmer. On va voir s'il y a un taxi. Taxi ? Il arrive.
Fais attention à toi. Je t'aime, Lucia. Au revoir. Guillermo, je viens de dire à ma fille que je l'emmène aux États-Unis. Quoi? Pourquoi tu fais ça? C'est impoli de ta part, Rosalba. Parce que vous autres, vous n'êtes qu'une bande de misérables égoïstes. C'est ignoble de ne pas prendre en compte ma douleur et ma souffrance, Guillermo. Rosalba, si on a fait ça, c'est précisément pour éviter ce que tu viens de faire. Qu'est-ce que vous espériez? Que j'abandonne ma fille, peut-être? Qu'à ses yeux, je devienne la mère indigne qui ne vient pas la voir à l'hôpital? Eh bien non, vous ne me donnez pas d'autre choix que de l'emmener aux États-Unis. Rosalba, tu fais une grosse erreur. Est-ce que j'ai bien entendu? Tu veux emmener ma fille aux États-Unis? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, je vais voir Patty. Dans quelques jours, Patty sera avec moi dans un hôpital aux États-Unis. Mais tu es folle ou quoi? Elle n'est même pas au courant que pour faire sortir Patty du pays, elle a besoin de ma permission. Le problème n'est pas la loi, Ricardo. Si, le problème est bien là. Et tu verras ça en prison, parce que Patty ne sortira pas d'ici sans mon autorisation. Ni toi, ni personne ne m'en empêchera. Vous ne savez pas qui je suis. La seule chose qui m'importe, c'est sauver la vie de ma fille. Et pas comme vous, a priori, qui semblez apprécier la situation, pas vrai? Mais pour qui elle se prend? Écoute, Rosalba, tu es en train de dire qu'on apprécie le fait que Patty soit mourante? Rosalba, viens, attends, s'il te plaît. Viens, Rosalba, je te raccompagne. Salut, papa. Bonjour, mon amour. Qu'est-ce qui se passait dehors? Ça criait fort. Il faut l'aménager, monsieur. Je vous laisse. Oui, merci. Qui est-ce qui criait? C'était... Oh, rien de grave, juste une discussion houleuse avec Rosalba. Mais tout va bien, mon amour, ne t'en fais pas. Ça me fait peur, papa. Et de quoi tu as peur? Rosalba veut m'emmener aux États-Unis avec elle, mais je ne veux pas y aller. Je sais que je vais mourir, et vraiment... Je ne veux pas que ça arrive en étant loin de vous, papa. Je veux rester avec vous dans le même pays. Rester à côté de toi et de ma maman. Écoute-moi, tu ne vas pas mourir. Et personne ne t'éloignera de nous, tu resteras toujours à nos côtés. C'est pour de vrai? Je te le jure. Merci, papa. J'aimerais te demander autre chose et je veux que tu promettes. Dis-moi tout ce que tu voudras. J'aimerais que tu aimes Chewie. Si tu crois pas que c'est ton enfant, accepte-le au moins en tant qu'élève. Mon amour, tu sais... S'il te plaît, papa, ne le rabaisse pas. Très bien. C'est d'accord, je te le promets. Merci, papa. Je traiterai Chewie comme... comme les autres lycéens. Merci. Tu es le meilleur papa du monde. Est-ce que tu peux aller voir si maman est revenue? J'ai envie d'être un peu avec elle. Elle va un peu mieux. Oui, mais il faut que son état s'améliore encore. Bonjour. Salut, Ricardo. Comment tu vas? Salut, Véronica. Ça va? Oui, comme d'habitude. Tu connais déjà mon frère, n'est-ce oui, pas? Oui, comment ça va? Voici mon oncle, Guillermo. Mon oncle, je te présente Véronica, la sœur de Laura. Enchantée. Comment allez-vous? Ravie de vous connaître. Moi aussi. Vous ressemblez vraiment à votre sœur. Tout le monde le dit, mais nous sommes très différentes. Et comment va ta fille? Pareil. Son état reste stationnaire. C'est terrible ce qui se passe. Je pourrais peut-être vous aider, non? Non, je crois que il n'y a rien à faire. Merci. Tu veux qu'on aille prendre un café? Non, en fait, j'aurais juste besoin de te parler. Bien, dans ce cas, c'est nous qui allons prendre un petit café, non? Oui, bon, allons-y. Excusez-nous, ce fut un plaisir. À plus tard. Ricardo, sache que je suis vraiment navrée pour tout ce que tu dois endurer avec Patty. Et tu sais, j'aimerais vraiment pouvoir t'aider. Être utile. Merci. Excusez-moi. Merci. Ça alors, Laura. Laura, mais c'est quelle surprise. Ça fait si longtemps. Oui. Entre, assieds-toi, je t'en prie. Oui, merci.
Ça fait des années, oui. Oui, carrément. À l'époque où Véronica et moi, nous étions ensemble. Et maintenant, regarde ça, tu es devenue religieuse. C'est vrai. Comme quoi la vie évolue. Ça, c'est sûr, Federico. Qu'est-ce qui t'amène ici, dis-moi? Je suis venue te voir parce que je suis vraiment inquiète pour ma sœur Lucia. J'ai besoin de quelqu'un pour éclaircir les choses. Parce que c'est confus pour moi. Demande-moi ce que tu voudras. J'ai beaucoup d'affection pour Lucia. Merci. C'est juste que Lucia m'a dit que Véronica veut se débarrasser d'elle, qu'elle cherche à la tuer. Et je suis désespérée parce que je ne sais pas si c'est la vérité ou non, Federico. Non. Véronica est terrible, mais je ne pense pas qu'elle soit capable de tuer quelqu'un. Et elle m'a aussi assuré que Véronica... Pardon, excuse-moi. Que Véronica aurait volé un papier de... Ah oui, du registre des naissances, c'est ça. Elle m'en a déjà parlé plusieurs fois. C'est sûr que... Eh bien, que Lucia est malade, ça, nous le savons tous. Elle invente des choses, souvent invraisemblables, je ne sais pas. Cette histoire de registre volé, par exemple. Oui. Elle m'a dit aussi qu'elle vivait chez toi. C'est faux encore? Non, non, ça c'est vrai. Ah. Lucia vit avec moi. Je l'héberge parce que Véronica n'avait aucune patience avec elle. Tu dois savoir de quoi je parle, je suppose. Lucia m'apporte de la gentillesse, de la douceur aussi. C'est pour ça que je l'héberge volontiers. Oh, j'espère de tout mon cœur que Dieu te le rendra. C'est si généreux, Federico. Je te suis très reconnaissante d'aider de cette façon, Lucia. Je ne sais pas comment te remercier. Non, non, non. Merci beaucoup. Ne t'en fais pas, c'est normal. Merci, j'y vois plus clair maintenant. Je ne savais plus qui je devais croire, alors. Merci, je m'en vais. Ne te fais pas de soucis pour Lucia. Merci. Je m'occupe d'elle. Merci, Federico, que Dieu te protège. Merci. Désolée de t'avoir dérangé. Non, il n'y a aucun. Au revoir. À bientôt.